Très content. Très content parce que c'est le plus beau prix de l'IREF, en tout cas celui qui incarne le plus son histoire. Et très content parce qu'il correspond à aujourd'hui à un mouvement du Club Med en direction de la franchise et du partenariat. Ah, le Club Med, il a dû se transformer. Je crois qu'on ne se transforme jamais sans difficulté. Et nous avons rencontré de grandes difficultés et il faut ensuite du temps. Par contre, si on se met à l'écoute de son client, si on regarde bien son environnement concurrentiel, si on prend courageusement les décisions et qu'on se donne le temps, je crois qu'on y arrive. Deux trajectoires. Une trajectoire dite de montée en gamme. Le Club Med doit incarner aujourd'hui le meilleur des vacances, tout compris pour les familles et les couples. Ça, c'est un mélange de transformation de notre parc de village. Nous en avons fermé la moitié parce qu'il ne pouvait pas correspondre à cette caractéristique. Et puis, nous avons investi plus d'un milliard d'euros dans les autres pour les porter à ce niveau-là. C'est un mouvement aussi d'internationalisation. Le Club Med a vocation à être le spécialiste mondial dans son domaine et ainsi offrir plus d'opportunités à ses clients, à ses équipes de développement, puisque la croissance dans le monde, elle se trouve un peu partout. Dans ce cadre, nous souhaitons travailler plus avec des partenaires, et c'est le sens de notre développement actuel en franchise et en partenariat. C'est une vision qui, pour moi, réunit deux caractéristiques fondamentales. Une caractéristique d'entrepreneur et une caractéristique de commerçant. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va chercher de nouvelles idées. Qui ne fait pas comme les autres. Et le commerçant, c'est celui qui a le sens du client, qui en est proche et qui cherche à répondre à ses attentes. Eh bien, je crois que c'est les deux caractéristiques qui font le succès.